Moi je m'appelle Justine, mais c'est pour mon fils Owen. D'accord. Je sais pas si c'est ça. Peut-être, je vais voir. Ensuite, on va voir Roman. Juste ici. Kylia. Ici. Lucas. Capucine. Ici. Amaryllis. Non, peut-être pas encore arrivé. Liana. Eneya. Ici. Margot. Oui, c'est bien. Ici. Merci. Et du coup, il manque Ewen, c'est ça? C'est ça. Ça marche. Et du coup, il doit me manquer Amaryllis qui n'est peut-être pas encore arrivé. Sinon, j'avais bien eu tout le monde. Bien. Donc, c'est la classe à Dallas. Alors, je vous laisse vous équiper. N'hésitez pas aussi, si les enfants vous avez besoin de prendre une bouteille d'eau ou par exemple. Oh, ça te va bien. Regarde. Un téléphone, un appareil. Un beau chapeau. Ouais, ça te va bien. Pendant l'activité, c'est l'occasion. Moi, je vais juste aller prévenir mes collègues qui m'ont manqué pour l'instant. Ça vous laisse le temps de venir vous équiper. L'activité, j'ai pas mes appareils photo, un petit. Si, t'avais, je crois, un petit appareil photo parce que t'avais fait des photos. Bah toi, t'as ton téléphone, tu pourras le faire. Des photos. Ouais. Oh, ça lui va bien, je trouve, non? Oui. Je trouve ça te va bien, attends. Ça te va bien, je trouve. Ouais. J'en fais du grand qualité de chapeau. Ouais. Et Laura, elle avait eu un t-shirt à l'époque. Oui, ça c'est des cochons d'Inde, votre chose, ça s'appelle comme ça. Ça grignote non stop. Ils sont trop mignons. Il avait un comme ça, c'était cette taille-là. Ouais, comme ça, avec des poils courts. Oui, ouais. Comme ça, derrière, là, avec le blanc sur la tête, là. Ouais. C'était un truc un peu de cette colorie-là, mais un peu plus foncé, plus orange. J'aime bien la famille d'orange. Il est quand même vachement mignon. Maman, il en fait faire beaucoup là. Maman. Elle dort. Comment elle est mignon. Ils sont beaux. Ouais, ils sont super beaux. Avec les moustaches. Et des chinois. Les chinois. Bébé quoi? Bah là, là, il y a un bébé canard, là, tout petit, là. Ah oui. Non. Ah là là, c'est... Oh là là, oui, hein. Là, ils sont peut-être excités, si il y a quelques soucis, ils vont te manger. Aya déjà donné? Il y en a qui attaquent les mouches. Il y en a un qui attaque les mouches. Oh là 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 là. Il est tellement mignon. Oh là là. Il est tout petit. Ça compliqué de sortir. Ils font doudou. Pourquoi je les vois de plus près? Là, ils sont en appareil, moi. Ils sont toujours en train de dormir. C'est vrai qu'il n'y en a rien. Il n'y en a pas de terre. Oui, oui, il y en a deux. Ah. Oui, c'est comme dans ton zoo. Ouais. Where is the second Nemo? I don't see. Wait, please. Il est là-bas, là. Il est à la droite, il a un rouge aussi. Attends, je regarde le vert déjà. Wow. Il sort d'un trou là-bas. Oh, c'est la suite de la scène. Donc, écoutez, vous avez vu ça? Vous avez vu là-bas? Oui, vous avez vu un vert à côté. Ah bon? Vers maman, là. Il y a un qui est accroché à l'arbre. Le vert qui est en face et le rouge qui est dans le trou. Il y a un qui est là-haut là. Et il y a un autre qui est accroché à l'arbre. Ah oui. Et il pointe avec la tête en bas.
Où ça? L'entrée, regarde, à côté de Proto. Ah oui. Tu le vois? Et il a la tête en envers. Il mange les branches. Qu'est-ce qu'il y a? Un kangourou. Il y a un kangourou. Un wallaby sûrement. Un wallaby, un wallaby. Ouais, c'est la même chose que ton zoo. Il y a un wallaby mais qui est passé derrière des cailloux, il est là. Ah, on va peut-être le voir s'en sortir. Je viens d'acheter des mous et des wallabies aussi. Mais c'est parce qu'ils doivent bien aller ensemble ces animaux donc. Ah, oui, oui. Wallaby. Oh, regarde. Il est en haut des cailloux, oh, il est trop mignon. Oh là là. Oui. C'est un wallaby, c'est plus petit qu'un kangourou. Il est juste à côté. Il me fait peur. Bon, pourquoi il est tout mignon? Je le veux en animal de compagnie. Non, je pense pas que ça se prend comme animal de compagnie. Wallaby. Il est tout mignon. Wallaby. Il se lave. Il y a le wallaby. Oui. Il y a le corps. Moi, il y a un peu de tout. Ah, tu as une question. Tu as une question. Tu as une question. Tu as une question. Il est tellement. Il est super gentil. Il dit rien. Bon, il y en a partout. Regarde. Là-haut, ici, par terre. Ah, ici, il y a un, deux, trois. Bon. Il y en a partout, en fait. C'est... Attends, papa, il essaye de prendre une photo. Putain, c'est super joli. Voilà, les palmiers sont jolis. C'est quoi qui fait ce bruit? Ouais, c'est des grands trucs bleus, là. Mais t'as vu le son qu'il fait? C'est hyper grave. Regarde, attends, c'est le bruit qu'il fait. Tout à l'heure il faisait du bruit, il faisait comme ça. C'est vrai? Oui, je te jure. Je sais pas si on entend. J'aime beaucoup le truc sur la tête. Ouais, c'est beau. Hein. Ça fait un peu comme un pan. Ouais. On bat les couilles. On dirait Lia quand elle est pas contente. Il est belle, un petit. Par terre. Oh, il est tellement mimi. Regarde-le. Je veux revendre mon wallaby. Oh, ouais. Oh là là. Qui c'est, Samy? Tu vois? Oui, là, oui. Il parle de magie. Il est sorti maintenant, hein. Tout à l'heure, il n'a pas été. Oui, non, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Il ne manquerait plus qu'à des crocodiles. Oh, là. Super joli. Le cabora, le bleu, j'ai pas vu non plus. Oui, c'est vrai, on n'a pas vu. Ah, c'est sympa, dans cette cage, il y a un papa. Il est énorme, ce truc. Maintenant, ça part là. Bah, non, mais c'est bon, il est là. Hein. À mon avis, c'est son enclos, maintenant. Il faut qu'il fasse son territoire. Mais qu'est-ce qu'il bricole, ton mec là? Non, mais c'est qui, eux? En fait, il râle parce qu'on est là. C'est mieux,
Mais ça mange les grenouilles, ça, ou pas? Bah, peut-être. Ça fait vraiment un nid, tu vois. Regarde, c'est trop chou. Il n'y avait pas des pandas roux avant, là? Mais qu'est-ce que j'en sais? En tout cas, ça, je sais pas c'est quoi, mais c'est beau. Ça, c'est... ça, je le reconnais, ça. C'est Edwige. Oui, j'ai fait la même réflexion la fois que je t'ai vu. T'as vu comment il te fait la tête? Alors, un documentaire où là vous voyez Edwige. Il est tellement blanc que ma caméra elle voit plus ses yeux. Edwige. Pourquoi tu filmes mon écran? Parce qu'il filme mieux, tiens. Et en plus, je vois ta tête à travers. Regarde comment il tourne la tête. 180 degrés. Ah. Chercher les tortues géantes. Je sais pas si t'en vois une. C'est vraiment géant. Sa petite carapace. Énorme. Ça va, il y a le panda roux là. Mais il dort. Ah! Il y a ta famille, Truchet! C'est pas Pélican, ça? Non. Si, si! Oh là là! Je suis pas au lac, non, qui est pris, qui est pris, mais tu vas. Une blesse. Tu qu'est-ce que tu es, quoi? Elle ne veut pas se fermer la bec. Je ne peux pas le focaliser trop loin. Mais il bouge trop. C'est quoi? Ouais, un truc comme ça. Calao. Calao, ouais. Calao. Ta gueule, hein. Et à côté, il y a une trompette. Tu parles de toi? Ah, ils sont deux, mais tu vois. Ben. Ça, je faisais quoi? Mais pas pizza. Je suis pas moi dans le parce que tu n'es pas pizza, mais quoi? C'est quoi ça? C'est une grue à coup blanc. Oui. Ça, une nouvelle naissance. C'est une trompette, ouais. Du coup blanc, la grue coup blanc, il y a deux nouveaux coups blancs. Ah, il y a le genre le bébé. Ici, il y a un Milan normalement. Lui, là, c'est quoi? Regarde-le. C'est autre chose, là, des fois, c'est quoi? Tu vois, ça marche. Ça parle, quoi? Là, je gratte le coup de 6. Mais là-bas, il y a le truc. Rabopa, ça tire. Rabopa. Il y a des millions de rabopas.
C'est magnifique. Quand on était dans l'ombre, on voyait pas grand chose, mais là, en fait, il est super joli. Il y a un qui dort là-haut, dans sa cabane. Il y a un sur la cabane. Et il y a un autre qui est Binturong, ou chat ours. Il est où? C'est ça, les chats ours. Je sais pas comment mettre là. Il y en a deux. Mais tout à l'heure, j'avais vu une autre et elle a disparu. Elle a dû rentrer dans la cage. Tu essaies de ne pas tomber. Hein. Ok. Il y a des petites loutres qui sortent là-bas. Coucou! Oh non! Oh le bébé! Oh là là! Oh! Oh là là! Elles sont trop mignonnes! Mais surtout petites. Mais comment ils savent quel animal peut cohabiter avec lequel? C'est le même environnement et s'ils ne sont pas carnivores? Mais ils sont faits les analystes, tu sais. Bah oui, il y a plein d'études. Forêt, ils sont observés. Coucou! Mais c'est tellement plus petit, une loutre. Oui, ouais, c'est petit, les loutres. Papa, là, c'est pas bien ce que tu dis. Hein. C'est vraiment pas une bonne couleur. C'est ni blanc, ni noir, c'est genre de l'huile. Nul quoi. Sale. Ils sont c'est là, dans la maison. Mais c'est pas dangereux de mettre des porc-épics avec des jalousies? Non. Ils vont pas s'appliquer les fessiers. Oh non, regarde, il y a un grand truc là qui dort dans sa cabane. Mais c'est ça pour guider. Donc là, ici, on voit pas ce truc. Ouais. Voilà, là, ici, il y a un porc qui pique. Ça, je sais pas c'est quoi. Et les ibis, ils sont tellement rouges. Waouh. Ils viennent du Cuba. Là, c'est là-bas. Et après, il y a les iris rouges, oui. Que j'ai vu que mes yeux allaient tomber. Oh, c'est pas bananier, mais bon. Il est un fruit. Ils peuvent se poser là. Tu veux là-bas le petit chat? Oui, attends, je vais aller le voir. Il est en train de photographier les fleurs flamants roses, j'imagine. Chacha? Ça, c'est un chat. Ça s'appelle quoi? Margaï. Ouais, c'est un chat. Est-ce que je peux le voir? On bloque un peu, j'ai un repas. Attends. Pardon. Regarde,
Oh là là. Voilà, il s'est dépassé. Bon bah. Ça y est, c'est fini le déplacement. Non, ça bouge encore. Non, ça bouge, ça bouge. Je crois que c'est la première fois que je viens dans un zoo et que je vois le paresseux bouger. Non, ils sont plus gros. Mais ils sont dans les mains, ils ont la même couleur, ils sont là, les trucs là. Ouais, ils sont partis en vacances, je pense. Non, ils sont là. Ah, ils sont là. Ils sont sous la pierre. Regardez, il fait plein d'exercices. Ah bah, il n'y a pas les deux gros. Ah si, oh si. On les voit s'effacer. Oh, il y a un bébé là, regarde. Avec sa maman. Regarde, il a le saut sur la tête. Ah, panier sur la tête. Ah oui, il se déplace avec son truc. Il s'est mis sur la tête, le panier. Il déconne avec. Ça fait des bêtises. Regarde, l'autre là-bas, il fait pareil. C'est comme Enéa. Oui, l'autre, il s'est foutu ça. Il transporte et puis il a fait de l'homme. Не, за приятно при малко ми беше студено при мен. Ай, мама пуска. Благодаря ви. Не е трябва да спаси. А, там. Не е трябва да спаси. Не е трябва да спаси. Non, j'ai pas entendu cette fois. Porte un saut là. La petite Enéa. Oui, la petite Enéa avec les enfants. Bien. Ils vont les donner à manger aux girafes. Ah bah, très bien. On a bien les girafes. T'es sûr que c'est pas vide ici? Parce que si c'est vide ici aussi, je trouve.
Il y en a pas, mais on va faire le dame, c'est large, c'est pas haut. On va pas, c'est tout bon. Tout bon, là. Ah, bah, c'est ça. On va avancer vers nous. Regarde les cornes. Oh, regarde, ils vont rentrer là. Tu vois? T'as vu ça? Ouais, bah, c'est bon. Mais tu vois, une grosse bestiole là-bas? C'est de vache, là, et des cornes. Ouais, oui. L'autre, regarde avec les oreilles, ils sont drôles. Ça, c'est Oryx. Ah, t'as la poupée, je vous t'as une cosy rose, là. Ça, c'est cosy rose, oui. Ouais, cosy rose. Et pas bien, on touche deux, des perles. Ah, t'as une cosy rose. Là, Oryx, moi, c'est clair. Ah, t'as vu ce qu'on t'intéresse, mais je pense que c'est mon chien. Като на кенгуру. Главата е като кенгуру. Тялото не е. Големи. Ето е някаква тип газел, нещо такова. Там също има други. Има някакви бизни. Какво са бизони ли са? Чешат си рогата. Ето тук имаше един лош такова. Et il faut tout qu'il corrige les plaquettes. Ah, non, tu es sur le bruit. Non, tu es d'être, comment ça se dit? Strauss. Strauss, c'est. Et tu dois te couper, tu es cru de ça. Ah, bah oui. Amen. Ça, c'est marrant, ces oiseaux-là. Grand, une sorte d'échassier. Bon, ouais. En fait, elle est en train de faire venir cette girafe-là. Ouais, la pelle. Ouais. Elle est trop belle, ouais. Et ça marche comme le chameau, avec les deux pieds du même côté. Oui. Ça, c'est très étrange de voir que ça marche comme ça. Et elle arrive. Oui. Ça veut dire qu'ils vont me donner à manger directement, regarde ça. Ça va prendre baver déjà. C'est déjà en train de baver, ça a fait. C'est dégueulasse. Il y avait une tête. Il y a un personnage qui est en train de se faire. Il y a un digne en agro. Il y a un petit peu de temps. Il y a une girafe. Ah, c'est un guide. Oh, il y a un bleu, effectivement. Et là, non, moi, est-ce que c'est la nourriture? Attends, pas de l'eau. Où tu vas? Bien sûr, il reste ici. Tu viens voir la girafe? Viens voir. Ah, voilà, la girafe là-bas. Ah, voilà. Elle est ici? Elle est ici? Ça doit être cool, elle doit être là. Nom. Et où, deuxième girafe? Girafe au ladon. On avait plein qui étaient restés bloqués. Ça, c'est des cigognes, non? Je crois, ouais. Ça ressemble beaucoup. Attends, prečki nos. Je parle de ça. Ils prennent des stobes hauts, des gros drvete. Parfois, il peut faire tomber un morceau par terre. On pourra le récupérer, par contre, avant de lui redonner, on essaye de frotter et d'enlever le sable qu'il peut y avoir dessus. Parce que manger du sable, ça, par contre, c'est... Allez là. Voilà. N'hésitez pas à vous approcher, à marcher sur la ligne, pas plus loin, pour qu'elle puisse l'atteindre, parce que son cou n'est par contre pas extensible. Ouais, c'est impressionnant. Il y a des cigognes. Oui, parce que c'est la fin du premier spectacle d'oiseaux. Moi, je trouve ça. Et les cigognes, elles sont. Bien. C'est impressionnant, mais elles reviennent, les cigognes. Oui, elles reviennent. Là, c'est juste que c'est la fin du premier spectacle. Et vu que le spectacle n'est pas loin derrière l'enclos des girafes, elles vont voler un petit peu partout. Oh, c'est beau. Thank you.
son âge, mais il me semble qu'il a une dizaine d'années. Ah. Super. Ah. Nous, on attend ici. Ah oui, bah, elle va finir par venir. Elle regarde d'abord de finir tout ce qui est de ce côté-là. Ah, mais il y en a toujours. Sinon, déplacez-vous, hein. Ça marche aussi. C'est trop mignon. Bien entendu, bien mon cœur. On a essayé de faire ça avec cette nage de la petite. Ah, ça a l'air trop gentil. Oui, après il faut faire attention. Là par exemple, tu peux le récupérer et juste enlever le sable avant de lui redonner. Mais voilà, c'est très gentil parce que c'est un peu comme le serpent. On lui fait un truc sympa, elle apprécie. On lui fait pas mal, on lui fait pas peur. Mais ça n'empêche pas si elle avait envie de mordre, ça n'empêche pas si elle avait envie de s'en aller, de donner un coup de tête. Bah ça a des dents, oui. Ça a un peu la même mâchoire, ça ressemble à la mâchoire du cheval. Tu pourras ramasser et puis juste enlever le sable avant de mordre. Attends, ouais, même la forme de la mâchoire, hein, c'est un peu pareil. Trop mignon. Reste des carottes. Tu veux pas essayer les carottes? Non, moi je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a plus de gros bouts. Pareil pour les deux morceaux de céleri qui sont tombés. Hein. On peut les reprendre, enlever le sable et lui redonner. Ok. Là, bien à plat. Voilà. Très bien. Tiens, prends même les bouts. Tiens. Ah, j'ai un coup de l'échoule. Non. Ah, j'ai eu un coup de l'échoule. Ah oui, on voit qu'elle est un peu moins douée sur la carotte, mais parce que normalement elle n'est pas censée trop en manger. C'est dur quand même. Oui, par contre, c'est calasse. Tu veux des carottes? Moi. Hein. Je la serve des carottes. Vous comprenez aussi pourquoi là il fallait pas faire des trop petits morceaux? Oui. Alors que pourtant on a fait des morceaux à peu près de la même taille pour les orang-outans. Hein. Mais la façon de faire est différente. Mais là là. Et puis parfois quand c'est un petit peu plus petit, du coup ça l'intéresse moins. Là c'est bien ou quoi? Ah ouais, bah elle le mangera, hein, t'inquiète pas. C'est pas trop petit. Ah mon dieu! Par contre, bien haut! Oui, ouais, moi aussi, c'est poil! Ah, c'est étrange! Ah, il y a des petits bouts! Voilà, c'est une carotte! Il reste que des petits bouts, elle va le manger, il n'y a pas de carotte! C'est trop mignon! Pareil, le petit bout de carotte qui est tombé, vous pourrez le récupérer, enlever le sable et lui redonner! Il y a plus. Et reste ça. Alors, il y en a plus. Parfait. Donc vu qu'il y en a plus, on va finir par le voir. Donc il est fort possible qu'elle nous laisse tomber. Ouais, t'es trop mignonne. Approche-toi un petit peu. Ah, c'est pas grave. Tu peux le reprendre en enlevant le sable. Vu que c'est un petit morceau, tu peux prendre le petit qui est par terre aussi à côté. Trop belle. Donner en même temps. Là, les on peut un peu la caresser. Non, pas de caresse. Ok. Pardon. Ça marche. Ouais, c'est des tout petits morceaux. Tu peux essayer. Ça me dégoûte. Bon. Non, mais c'est pas grave. C'est comme si vous, dans la classe, un tout petit. C'est pas possible, c'est bon, ça va vite. Est-ce que tu veux un bébé? Oui, il y a un petit bébé. Vous voyez que le butage dit où c'est. J'en vois pas d'autres, j'en vois qu'un seul. C'est pas très grand. Ah oui, le noir. Le noir est plus beau là. Il y en a deux. Il y en a trois.
Et dans le... c'était où on était dans un endroit avec plein de loups, c'était super cool. Oui. Les gènes, là-bas. Oui, c'est ça. Ouais, là-bas, et c'était très gros, le loup. Beaucoup plus gros qu'ici, là. Il y a des rives, là, mais c'est un petit. Là, c'est chiant. Juste le museau qui est bien. Qui pense carrément l'œuf, mais je sais plus c'est lequel. Mais bon, je parle un œuf. Donc là, t'as la ligne des yeux, t'as les couches, les mains, signes. Gru avec noir, gru avec blanc. Faut pas se tromper, c'est pas les trois. Chouette, bébé. Chouette, chouette effrayée. Elle est toute moussue. Bah c'est son nom. Et ça, oh là là. En fait, j'ai juste un tas de poils. Donc, je non, c'est une. Ça. C'est trop mignon. Oui. Là-bas au fond, dans le soleil. Ah oui. Et il regarde très attentivement. Ah oui. Il regarde toujours très fort. Il faut bien lever là. Hein. Il regarde extrêmement attentivement. Il y a toujours un qui garde. Bah là, on n'a pas qu'un. On est en train de faire le tour. Ah, c'est bien. C'est important faire le trou là. Oui, oui, oui. Pendant que l'autre garde. Oui. Oh non, je t'en bats. Ça, tout le monde a. Et ça, quand il y a des bébés, c'est tellement mignon. Oh, c'est tellement petit. Mmh. Ben, moi, je ne vois pas de bébé. Là, il n'y en a pas. Mais. Ouais, et le soleil est disparu. Du coup, je ne vois pas l'autre qui est en train de. Et ça, on se cachait tout seul. Il y a une jusqu'à ce que tu fasses. Il y a un petit quelque chose avec ça. Maman, je t'aime. Oui, moi aussi, je t'aime. Mais c'est quoi que tu regardes là? Un guépard. Ah, je pensais que tu regardais de l'herbe. Non, dans l'herbe, il y a un guépard. Où ça? Plus au fond, là-bas, derrière. Oh, alors. Alors. Regarde, il y a le bébé girafe là-bas qui s'allaite. Regarde. Ah ouais. Ouais, il s'allaite, voilà. Ça, ah, oh, là. C'est sympa. J'ai eu peur. Regarde le petit poulet là, c'est un canard. C'est bon, hein. J'en mets une petite camionnette. Mmh. Oh. Tu prends un petit peu de temps, tu as fait un top student. Tu as tout ce que tu as fait pour toi. Et nous avons fait un peu de temps. Ah, il y a un peu de temps. Là, si on est maintenant, on est maintenant. 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 Je peux plus t'aimer. Je peux plus t'aimer. Mec. Il n'y a pas.
Thank you.
Ce n'est pas votre tour, le gant, il reste ici. Pas obligé de le cacher derrière. Mais par contre, le gant, il n'est pas là. Il n'est pas là. Oui, parce qu'il peut venir. Pas là. Parce que lui, il voit un gant, il se dit, c'est peut-être celui-là où il y a à manger. Donc si vous êtes comme ça et qu'il a choisi de venir vers vous, déjà, vous le verrez qu'au dernier moment et du coup, vous n'êtes pas prêt. Ok ? Ok. Juste ? Oui. Il faudra l'appeler avec un bruit ou... Non, il vient tout seul. Généralement, il vient tout seul. En fait, tu fais comme ça et il va là-bas. Nous, ce que l'on va faire, je vais le faire la première fois pour vous montrer. Okay. Vous passerez deux fois chacun. Une fois avec moi, une fois tout seul. Il va venir vers nous. Je vais me mettre de ce côté-là pour que vous voyez, mais du coup, on sera de l'autre côté, forcément. Mais donc, vous serez comme ça avec le vautour qui va arriver. La récompense, donc, petite patte de poussin. Ici, entre le pouce et l'index. Vous serez comme ça. Dès qu'il va venir et qu'il prend la récompense, bien vous allez faire ça pour, en fait, tout simplement l'envoyer ici. Et qu'ils repartent avec les autres. Ok. D'accord ? Tu fais un geste un peu comme ça. Genre comme ça. Ça. Tu okay. l'envoies. T'es pas obligé d'aller hyper vite. Mais si tu te tournes en entier, bah, ça va pas être pratique pour lui. Ok, ok. Mais de toute façon, je vais le faire la première fois, comme ça vous allez voir. Et la première fois où ce sera votre tour, je le ferai avec vous. On va juste d'abord se faire notre petit ordre de passage pour pouvoir gagner quelques secondes. Qui passe en premier ? Ok. En deuxième ? Moi. Ouais. Troisième ? Ok, et du coup quatrième. Ok. Ça marche. Donc deux fois chacun. Et vous ferez les deux fois à la suite à chaque fois. Ok ? Il n'y a pas d'école de fauconnerie particulièrement. Ah. Ce sera bon pour nous ! Oui, je vais faire la première fois toute seule pour vous montrer. Mais du coup, chose importante, le gant, on ne le pose pas comme ça parce que sinon, au retour, il va être feignant. Si vous le posez comme ça sur la rambarde, bah, il va attendre à côté. Si vous êtes ici, il va se poser devant, vous piquer la récompense, il ne sera pas venu dessus. Donc bien, okay. Et là, c'est vers nous qu'il va arriver en premier, donc comme ça, vous allez pouvoir voir. Ah, oh. Donc là, on se place, on attend tranquillement. Il récupère la récompense et tout simplement, ok ? Donc, hop, il repart. Et on va pouvoir démarrer avec le numéro 1. Vas-y, laisse-toi. Il a l'air comme ça, tu gardes ton enfant. Vas-y, laisse-toi. Ouais. Mais moi, je le pensais plus. Un plus grand. Voilà. Plus dodu. Et tu l'envoies. Alors, n'hésite pas, plutôt que de faire plus vers le haut, n'hésite pas à faire plus comme ça. De toute façon, tu vas le refaire. Là. Vas-y. On va juste attendre qu'il reparte pour ne pas se prendre un coup d'aile. Il est pas ici. Moi, ouais, c'est que là, le vent, il est contre. Alors, attends, on va faire d'abord les deux passages par personne à chaque fois. C'est un chien. C'est bon, il est passé. Tu peux te placer. Bien sûr, le côté. Un petit peu plié. Voilà. Là, voilà, il arrive. Là, il a eu le vent avec lui. Bah, c'est pas grave. Là, on a pris la bourrasque de vent juste au moment de son atterrissage. Tu sens ou pas quand il atterrit? Oui, c'est vrai. Allez, vas-y. Donc là, on va attendre qu'il reparte. Et du coup, on va passer à la deuxième personne. Mais en fait, il va tout en bas. Ouais. Bah oui, parce que... Tiens, desserre tes bras d'abord avant. Voilà. Hop, je passe. Vas-y. Hop. La première fois avec toi. Par contre, le téléphone, il va pas devant. Voilà. Ici. Avance un petit peu. Il a fait tomber son morceau. C'est pas grave. Oh la maman! Petit petit! C'est comment il s'appelle? Vincent. Merci. T'es prête? Oui. Et voilà. Il prend sa récompense et tu l'emmènes. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, là on a mis une seconde de trop. Il va repartir et puis après tu verras plus tard. Il s'est posé devant, sur la rambarde. Hop, il l'a fait tomber. Bah dis donc, t'es pas doué, Vincent, ce matin? Tant pis. Je me mets de l'autre côté, ce sera plus simple. Hop.
Voilà, on va attendre avant de montrer qu'ils sortent, qu'ils finissent de manger. Tu peux y aller. Voilà, un petit peu plus plié et avance-toi plus devant. Voilà. Tu es prête? Et tu l'envoies. Vas-y, tu l'envoies. Tu l'envoies. Voilà. Très bien. C'est trop stylé. Ce sont des rapaces nocturnes et la première à nous rejoindre, c'est une petite fête effraie qui s'appelle Selma. Et Selma, la voici. Alors pour la petite anecdote, Selma elle est née il y a 5 ans à la nursery juste à côté et aujourd'hui on va lui proposer un exercice qui consiste à retrouver deux fauconniers, non, c'est pas moi, deux fauconniers qui se sont cachés parmi vous. Alors, elle vient de retrouver sans difficulté Jeanne. Et la particularité de cet exercice, c'est de les retrouver non pas avec sa vue, mais avec son audition. Alors l'exercice d'aujourd'hui est beaucoup plus difficile, étant donné que vous êtes assez nombreux dans la tribune. Et là, clairement, elle vient la pompe. Et voici Antoine. Elle vient de retrouver Camille, vous pouvez l'applaudir. Alors je ne sais pas si vous avez ce qu'on va appeler le chointement. Et ce chointement, eh bien, on va leur apprendre dès le plus jeune âge, dès sortie de l'œuf quasiment, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, entre guillemets, communiquer avec elle. Alors je ne vous le cache pas que pour entendre, il va lui falloir des oreilles. Alors ces oreilles, ne les cherchez pas, elles ne seront pas visibles comme nous. Elles vont être cachées derrière tout son plumage. Et on va plutôt parler de cavités auditives. Et leur particularité, ces cavités, eh bien, c'est qu'elles ne sont pas symétriques comme nous. Ce qui va lui permettre d'entendre le maximum de bruit autour d'elle et de pouvoir localiser avec précision ses proies. Alors comme vous pouvez le constater avec le... Eh bien, elles sont un petit peu dérangées. Il faut savoir que ces petites chouettes ne pèsent que 250 grammes. Alors, avec de fortes rafales de vent, elles sont un petit peu perturbées. Alors, il faut savoir qu'un couple de chouettes effraies peut manger jusqu'à 6000 petits rongeurs par an, ce qui n'est pas négligeable pour lutter contre ces fameux rongeurs. Alors, malheureusement, nous, les humains, on aura trop tendance parfois à vouloir empoisonner ces fameux petits rongeurs. Alors, je vous rassure, on ne va pas empoisonner les chouettes effraies. Mais on va réduire considérablement son garde-manger, ce qui va tout simplement lui poser problème pour se nourrir et pour nourrir sa progéniture au printemps. C'est pas un agréable moment. Je vous rassure, aujourd'hui, la loi existe pour les protéger. Grâce à ces lois, eh bien, c'est le rapace nocturne le plus représenté chez nous. Avec Mogwai et notre grand duc de Véro, le voici. Alors Mogwai, normalement, vous allez le voir, il va se dandiner de gauche à droite. Normalement, il le fait, c'est un comportement tout à fait naturel pour eux. C'est que vous êtes tout simplement en présence d'un petit jeune et il perdra cette fameuse danse au fur et à mesure qu'il va grandir. Et moi, je vous mets au défi d'entendre un rapace nocturne voler. C'est quasiment impossible, sinon vous avez une excellente audition. C'est que tout simplement, il possède un plumage feutré qui leur permettra de ne faire aucun bruit, de pouvoir surprendre plus facilement leur proie la nuit. Alors la particularité du grand-duc de Véro, c'est que c'est un excellent chasseur de hérissons, mais également un excellent pêcheur. Il faut savoir que c'est assez rare chez les rapaces nocturnes. Il existe seulement deux espèces à savoir pêcher. Le grand-duc de Véro ici présent avec Noël et le Ketupa qui lui est un rapace asiatique. Alors sa pêche n'est pas exceptionnelle mais hyper importante pour lui. Eh bien Noël est déjà rentré dans sa brouillade, il a les yeux totalement noirs et ça c'est un signe assez distinctif. C'est qu'ils vont vivre exclusivement la nuit. Vous allez me dire que c'est logique pour un rapace nocturne, mais il faut savoir qu'il y a des exceptions. Et notre exception, elle vient juste d'arriver au-dessus de vous. Il s'appelle Boubou. Et Boubou, c'est notre grand-duc de Sibérie. Eh bien, il est parti. Bien, moi aussi, je vais rentrer chez moi. Alors, il faut savoir qu'un rapace nocturne...
quand ils sont contrariés, c'est difficile de reprendre leur vol. Alors on travaille avec du vivant, donc on ne fait pas ce qu'on veut non plus. Oh là, ça va être long. J'espère que vous avez des jeux de société avec vous. Alors, Boubou. Alors, je ne sais plus ce que je racontais. Alors, lui, il va pouvoir chasser donc des petits rongeurs, mais également des proies bien plus grosses, telles que des lapins, des lièvres ou encore d'autres prédateurs, comme le chat sauvage ou bien encore du renardeau. Alors, c'est un peu difficile de parler de Boubou, sachant qu'il n'est pas. Ah, le voici. Alors, on va pas trop lui en demander. Alors, pour chasser des proies aussi grosses, eh bien, il va lui falloir de bonnes armes. Ces armes, elles vont se situer au niveau de ses pattes. Il possède de très grandes griffes qu'on va appeler des serres, qui mesurent environ 2 à 3 cm de longueur. Et sa puissance, eh bien, dans ses pattes, c'est l'équivalent de la puissance de la mâchoire d'un loup, pardon. Alors, il y a beaucoup de puissance, et c'est comme ça qu'il va pouvoir chasser des proies aussi grosses. Il est même très habile en plein vol, malgré son air un petit peu pâteau. Il va pouvoir chasser eh bien, des oiseaux, des oisillons directement dans leur nid. Alors chouette, hibou, on entend souvent dire que le mâle de la chouette, c'est le hibou. Eh bien non, c'est deux espèces totalement différentes. Et pour les différencier, là on les voit parfaitement bien. Il y a deux petites plumes qui se redressent sur sa tête. Alors ce ne sont pas ses oreilles, ni des antennes, mais c'est ce qu'on va appeler des aigrettes. Et ces fameuses aigrettes, c'est grâce à ces fameuses aigrettes qu'on va pouvoir faire la différence. Tout à l'heure, avec nos petites chouettes effraies, nous avons vu qu'elles avaient vraiment la tête toute ronde, alors que les hiboux, eux, possèdent ces fameuses aigrettes. Et il y a donc des mâles et des femelles chouettes, et des mâles et des femelles hiboux. Allez, vous pouvez quand même l'applaudir. Voici des rapaces qui chassent et qui vivent la journée. La première à nous rejoindre, c'est une des plus grosses buses au monde. Et là, attention aux têtes. Originaire de... Non. C'est la buse royale ou la buse rouilleuse. Celle arrivée à mon point, vous l'avez sûrement reconnue et déjà vue dans les champs, c'est la buse variable. Alors elle porte tout simplement son de buse variable, car son plumage peut être variable d'un individu à un autre. On va pouvoir passer du blanc le plus clair au noir le plus sombre. Et enfin la petite dernière, la plus petite qui est juste en face de moi, qui normalement va prendre son envol juste ici, c'est la buse Clarisse, originaire d'Amérique du Sud. C'est l'une des plus petites buses au monde. Elle est aussi appelée loup du ciel car elle est capable de chasser meute comme le font les loups. Et elle va pouvoir chasser des proies aussi grosses qu'elle comme des lapins par exemple. Alors tout à l'heure je vous disais que les rapaces nocturnes chassaient avec l'audition. Et bien eux c'est tout le contraire. Ils vont chasser avec la vue. La buse royale qui est encore à côté de moi. Eh bien, elle peut voir des oies de la tribune, en compagnie de Jeanne. C'est notre Kariama Uke. Originaire d'Amérique du Sud, c'est un excellent chasseur d'insectes qui va se cacher dans les hautes herbes, attendre qu'un insecte passe au-dessus de lui. Lorsque l'insecte sera à sa disposition, il pourra faire de bons jusqu'à 7 à 8 mètres de hauteur. Avec les insectes, ce qui va complémenter son repas, eh bien, c'est tout simplement les serpents. Il a une technique bien à lui. Un petit peu feignant aujourd'hui. Ah, vraiment feignant aujourd'hui. Là. Alors, vous l'avez compris, il va tout simplement le saisir avec son bec, le frapper fortement au sol pour l'assommer, puis le manger par la suite. Alors en Amérique du Sud, il est fortement apprécié par les tribus car il va protéger les villageois des serpents, même les plus venimeux. Petite motivation aujourd'hui, Bertin. Alors c'est un oiseau qui ne sait pas très très bien voler, en revanche, grâce à ses longues pattes fines, c'est un excellent sprinter, chasseur de serpents. Je l'ai vu lui dans sa cage. Cette fois-ci, c'est notre... J'ai fait une photo. Calao terrestre. Alors on
sorcier chasseur de serpents, lui, il a une différente technique par rapport à Kariyama. Il va tout simplement le saisir au sol, le secouer dans tous les sens pour le manger, pour l'assommer, puis le manger. Alors, il a un long bec, c'est tout simplement pour éviter les morsures de serpents. Il évolue en spectacle, notamment à cause de ses grandes plumes blanches qui se fera braconner. Avant, ça servait pour faire des coiffes lors des mariages, notamment. Mais aujourd'hui, ça sert malheureusement en simple trophée de chasse. Alors, je vous rassure, les parcs zoologiques participent à sa protection, car il faut savoir, une fois par an, ces fameuses plumes, eh bien, elles tombent toutes seules. C'est ce qu'on va appeler la nuit, c'est indolore pour lui. C'est comme si nous, on perdait nos cheveux, c'est exactement pareil. Et à cette période-là, eh bien, on aura tout simplement à les récupérer dans sa volière et à les envoyer dans les associations en Afrique. Et à nous rejoindre, il s'appelle Idaho. Idaho, le voici. Alors, ils se sont spécialisés dans la pêche des saumons grâce notamment à des petites spécules qui sont sous leurs pattes qui vont leur permettre tout simplement de pouvoir saisir les poissons, même les plus glissants, et éviter qu'ils glissent tout simplement. Alors, nous avons un deuxième aigle. Il s'appelle Otoibo. Et un troisième aigle nous a rejoint, qui est en train de chanter sur le toit des rhinocéros. Vous allez le constater par vous-même, elle est beaucoup plus grosse que les mâles. C'est tout simplement que c'est notre femelle. Alors, c'est le cas généralement chez tous les rapaces. La femelle va être beaucoup plus grosse que les mâles, car c'est elle qui va protéger le nid et les petits pendant que le monsieur ira tout simplement chercher à manger. Sacré. Alors, comme je vous le disais, ils vont principalement se nourrir de poissons. Alors, dans les années 70, les pêcheurs de saumon, notamment en Alaska, pensaient qu'ils pêchaient tous les saumons. Alors, après de multiples études, ils ont démontré que c'était du n'importe quoi. Alors, du coup, maintenant, ils sont protégés. Alors, bien entendu, lorsque l'hiver arrive, toutes les étangs et les lacs sont gelés, bien, et ils trouveront autre chose à manger, comme par exemple eh bien, des loutres, des petits mammifères, ou bien encore d'autres oiseaux, comme des oies sauvages, par exemple. Alors, nous pouvons observer en France des pygargues également. Alors, ce ne sont pas des pygargues à tête blanche, mais des pygargues à queue blanche. On va les retrouver généralement dans l'est de la France, sur les courants migratoires. Il y a quelques temps, même il y a quelques jours, il y a un pygargue à queue blanche qui a été observé près de Cholet, même à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. Et le premier à nous rejoindre, ce sont les vautours palmistes. Originaire d'Afrique, et enfin vautour, le vautour noir du bout du bec jusqu'en bas des pattes, c'est tout simplement lui le but à tête noire, originaire d'Amérique du Sud. Alors, comme je vous le disais, ce sont des charognards, donc pas besoin d'avoir des serres insérées comme peuvent avoir les aigles, par exemple. En revanche, ils ont un bec. Elles arrivent timidement parmi nous. L'emblème de l'Alsace, ce sont nos cigognes blanches. Dans les années 70-80, les caisses ont disparu de notre territoire. Aujourd'hui, grâce aux lois qui protègent les oiseaux, elles sont de plus en plus répandues parmi nous et elles restent même nichées toute l'année en France. Allez, ajoutons un peu de couleur à ce final avec nos perroquets. Les enfants, ils devraient tout regarder. Les voici, différentes espèces. Nous avons la race le requin, celui qui est venu, le rarona. Jaune et bleu, le harin militaire, celui qui est ouvert. Et vous voyez en formation, c'est comme ça que nous allons réussir à reconnaître les coups.
Et ça va être une question de se rassurer pour eux en plein vol. Et de petits rapaces, nous aurons besoin de véritables acrobates du ciel. Ce sont les Milandrins et les Milandrames. Le Milandrin, c'est celui qui a la tête toute blanche. Alors le Milandrin, c'est l'oiseau qu'on confond le plus souvent avec la bruce variable. Et pourtant, c'est assez simple de faire la différence. Il faut se référer au balai. Le balai, ce sont les plumes de queue. Un Milandrin aura plutôt un balai triangulaire, alors qu'une bruce variable aura un balai arrondi. Allez, accueillons tout de suite nos hibiscus. Alors bien entendu, plusieurs menaces pèsent malheureusement sur nos oiseaux, comme par exemple le trafic d'animaux sauvages. Les perroquets sont notamment extrêmement touchés. C'est le troisième trafic le plus important au monde après la drogue et les armes. D'autres menaces qui pèsent sur nos oiseaux et comme sur beaucoup d'animaux aussi présents en parc, c'est bien sûr la déforestation. Il y a des gestes simples qui peuvent être faits à notre niveau pour les protéger. C'est tout simplement vérifier l'origine des bois que l'on achète et éviter l'achat de bois exotiques. Ce sera un petit geste pour nous, mais qui aura un grand impact pour eux. Et pour finir, ils arrivent timidement à droite de la tribune, ce sont nos pélicans adorosés. Eh bien voilà, messieurs, dames, c'est avec ce final, nos cigales, nos milans, les perroquets, les ibis, les pélicans, que le spectacle s'achève, malgré un vent un peu perturbant. J'espère que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. L'équipe de tout en restant, je vous souhaite une excellente après-midi ici au parc de la Boissière du Doré. Merci à tous de votre attention et à bientôt. Merci beaucoup. Papa, il y a ta famille. Je vais récupérer là, à partir de là. Bon, là, maintenant, on ne peut pas partir. Ils nous sont bloqués, on ne peut pas partir. Ils sont un peu par deux. Oui. C'est le couple, là. C'est vrai, ils ont des pieds familiaux. Ben là, on part plus, voilà, c'est fini. Non, il faut, on va rester là, maintenant. Comment il se balade? Le popolo popo. Moi j'avais pas mon premier spectacle. Oui, oui, ça peut être ça. Et les bisons tout à l'heure, ils ne sont pas à terre. C'est bon, j'ai fait des photos. Fais attention. Tain, heureusement que vous avez enlevé. Je ne peux pas faire le stockage, hein, sinon il n'y aurait plus du tout de place là, montre bien. Hey! 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 H
sac, il y a une focus. Ah oui. Quand tu vois là où il est focusé, c'est là. Pourquoi il a focus sur l'herbe? Mais parce qu'en fait, c'est toi qui. Quand tu regardes, c'est toi qui. Où tu peux monter. Il faut aller vite. Ah bah oui. Donc en général, il faut plutôt pousser la caméra par rapport à là où tu es. J'ai pas vu. Elora, viens ici, viens ici. Je te fais tipi tipi tapata. Non. Si. Tu me l'as fait, je te le fais. Tipi tipi tapata para bidu bida bada bada bida 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 bida.
Mais il y a une double barrière, donc on voit pas bien. Bon, heureusement, je me dis. Hein. Sinon, elle est comme ça. C'est là, Enya, où t'as nourri les bestiaux ? Hein, Enya ? Peut-être, je sais pas. Tu t'en rappelles plus déjà ? C'était il y a trop longtemps. Non, là, on est en train de le La casse, non. Oui, c'est là. Semi-liberté. Non, oui. Pourquoi ils disent semi ? C'est complètement liberté. Bah, ils sont quand même dans une cage. Oh, c'est... Ils vont s'en arrêter ! Ça aussi c'est des lumériens. Eh ben t'as un fleur. Ah. Let's go. Et là, oh, regardez là-bas, il y a un oiseau. Il y a maman, elle touche l'enclos. C'est là où t'as mis. Je me sens quand c'est pas ma mère. Hein. Peut-être, je sais pas. Alors là, on est dans un cage. Oui, c'est là. Semi-liberté. Là, on les a nourris. Semi, c'est complètement liberté. Ils ressemblent à Raymond. Je suis pas raciste. Pareil, très bien. Encore un autre. Oh, deux autres. Ouais, lui, il arrive. Ou pas. Non. Les poules, elles ont le droit d'être ici. Allez, on s'active, que je puisse vous donner les explications avant qu'ils soient trop nombreux et qu'ils se disputent. Salut les petits. Ah. Là, il y a une dispute. Là, les lémuriens, donc c'est lundi qui a été faite. Donc il y aura deux possibilités chez les lémuriens. La première, c'est de prendre une bonne grosse poignée. Chose importante, on ne prend pas les morceaux un par un. On prend toujours par grosse poignée et on éparpille, par exemple ici. La deuxième possibilité, pareil, on prend une poignée et comme pour la carotte aux girafes par exemple, la main bien à plat. D'ailleurs, je ne mets pas dans mes pieds. La main bien à plat et on leur propose. Lundi, il faut savoir que c'est un peu comme le céleri à plus de temps, ça risque de ne pas les intéresser. Donc si vous voyez que même en forçant, la bouddhine ne les intéresse pas, bah hop, on l'éparpille et on retente autre chose. Ok ? Il faudra donner tout le contenu. Vous allez pouvoir vous éparpiller. Par contre, on reste dans cette zone-là, on ne va pas dans le chemin. Et chose hyper importante, que vous ayez de la nourriture ou non, on ne va pas vers les volières là-bas. D'accord ? Okay. Là-bas, c'est les perroquets, ça stresse vite. Moi, je reste ici avec mon seau. Ils ne vous monteront pas dessus, on ne les caresse pas. Donc vous allez pouvoir démarrer. Et pareil, dès que vous êtes là, on peut y aller. On enchaîne pour pas qu'ils disputent. Donc attends, il faut rester comme ça, ils prennent. Oui, bien à plat. Ils mordront pas si tu fais bien comme je te dis. Donc la main à plat ou en lançant. Et si tu ne sens pas de faire d'une façon ou d'une autre. Un voleur est par ici. Moi, c'est pas grave. Les marivaux préfèrent venir manger depuis les arbres. Oui, mais pas trop loin parce que là-bas il y a pas mal de ronces. J'aime pas les sentir. C'est pas on marche sur un. Ah oui.
Oh, t'inquiète, tu peux y aller dans son arbre, c'est juste que va falloir bien se rapprocher pour pas qu'il tombe. Voilà. Oh ah, il met sa main. Après, s'il met ses mains, il ne faut pas qu'il mette ses mains. Ça veut dire que tu es trop loin. Donc, il l'a rapproché pour pouvoir l'attraper sans tomber. Donc, ah. Il n'est pas à l'approcher vraiment plus que. Et puis. Oui, par contre, tu t'approches. Approche pour pas qu'il t'attrape la main pour la rapprocher. Approche encore, approche encore. Aïe. Et ça a l'air de faire. En fait, les gris, ça fait peur. Oui. Les noirs et blancs, ils font peur. Bon, non, est-ce que je ne veux pas que je vais écraser. Oh, le boulet. Oui, ils tiendront pas te manger dans la main, les coqs, ça c'est sûr, ils sont pas suffisamment motivés. Mais les coqs, c'est omnivore, ça mange de tout. Donc s'ils mangent de l'anguille, c'est pas gênant. Ah, il me monte dessus. Ah, tiens la main. Bonjour. Eh ben, tu enlèves ta main tout doucement. Non. Tu veux pas enlever ta main? Mettez un. Voilà. Oh, ils ont déjà tout pris. Pour dire bonjour. Qui veut? Tu veux, toi? On va tirer la main avec ses petits coussinets. C'est agréable. Il m'a touché les cheveux. C'est pas grave. C'est pas grave? Non, enlève ta main, s'il te plaît. La main en place, s'il te plaît. Voilà. Pardon. Et j'ai déjà plus d'endives. Donc, il vous reste que ce que vous avez dans la main. Tiens. T'as un feu ? On fait attention, les enfants, on les caresse pas. Hein. Moi, il m'a juste collé les cheveux. Moi, je touche pas. Non, non, c'est pas pour vous. Venez ici. Venez, venez manger. C'est de... Mes enfants de la cave. Ah, ça a des dents aussi, donc, comme les girafes, comme les pitons. Il y en a plus ? Non, j'en ai plus dans la cave. C'est ce que tu as dans les mains. Trop mignon. T'inquiète. T'inquiète, c'est pas fini. Encore. Oui, mange, 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 mange. Petit, petit, mange. Viens, c'est bien. Tiens-toi. Non, enlève ta main. Enlève ta main. Enlève ta main. Non, enlève ta main. Il reste un truc. C'est bien, gentil. Parce que c'est à toi. Si tu les autorises, oui. Et puis en plus, chose que je rajoute aussi, regarde, selon les endroits de la nourriture, ça peut être à côté d'un cache, ça peut être à venir d'un petit. Donc bah, nous, ça nous permet de rester là. Parce que moi, j'étais respectueux. Ça y est, vous avez donné tout ce que vous aviez ? Ils sont trop mignons. Ils se défendraient. Regardez les enfants, tout petits là. Ah ouais, bah là aussi on a un petit. Oui, mais c'est marrant. Regarde le petit singe là. Tout petit. Ne pas nourrir les primes. Il y en a un autre là-bas. Il y en a un peu partout.
Regarde, maman, il y en a un tout en haut. Dans ce... Tellement velu, ça. Oui, c'est super. Enfin, plus mieux. Bon. Plus mieux, ouais. Ça l'attend même pas comme moi, il a un peu plus. Regarde lui, il est sur des toutes petites branches. Il y en a partout en fait. Bah, il y en a beaucoup. Ouais. C'est l'air d'être un truc. Ah, ça y est, les autres sont mieux à glousser. C'est très sage. Elle commence leur histoire là encore. Maman, papa, vous avez raté un truc. Ouais. Mais c'est... t'es en train de faire des photos et être comme ça. Et puis, tu vois ton petit truc de Kitty. Bah, ils l'ont vu. Il y en a partout. Il y en a partout. Ah, il a dit Marie, c'est pas une petite sacrée, pas mal. Ça là. Ah ouais. J'ai pris une vidéo, il y avait la poule, la big poule. La poule en noir avec sa touffe sur la tête. T'as vu? Ouais, ouais. Regarde celui, je le reconnais. Tu le reconnais? Oui. Ce voleur. Ce voleur. Il a un peu mangé. J'ai un souvenir maintenant de lui là qui est détruit. Regarde, Faut pas les toucher par contre, d'accord? Faut pas toucher, hein. Hop, tu donnes les mains à maman et tu regardes. Hop. On m'a fait une photo aussi. Ah oui, mais il a cru que c'était une graisse. Ouais. Regarde. Oui, j'arrive. Regarde. Faut pas toucher. Tu les regardes juste. Ça te plaît? Est-ce que tu peux te remettre de ton côté? Voilà, merci. Moi, non, mais regarde, la Lily, regarde. Ah, elle vient de te toucher. C'est bien, tu touches pas. Tu gardes les mains à son maman. Mais on regarde les poules. Elle est belle, cette poule. Ouais. Si un jour on a des poules, une rockstar. Mais elle est belle, cette poule. Ouais. Ça qui est écrit ici sur le truc là. Même de ça, je rigole, s'il n'y avait pas eu Hello Kitty, tu aurais préparé un dessin aussi. Non. Ah, comme ça. Oh, c'est un accident, mais là, tu vois l'autre. Ouais. C'est vraiment mignon ça quand même.
mange l'herbe. Zach, t'as touché ? Ça ? Non, là, c'est des bois. C'est vrai que c'est un piton, bien mort. Non, c'est un piton. Non, j'ai pas pris E, hélas. Mais j'en ai pris un, il est comme... pas celui jaune blanc, l'autre, mais plus petit. Et je sais plus comment il s'appelait. Une boie, c'est tellement grand que je pense pas qu'elle garde. Jean-Charles. Eux, ils sont sur une cave derrière. Alors, eux, c'est. Lui, il est vénère. Ça, c'est mon nom. Ouais, ils sortent là. Il est à gauche là-bas. Donc là ici nous avons l'animal très intéressant, mais l'animal, le vrai animal intéressant dans cette cage, c'est ça, du carpe. Incroyable ces carpes. Waouh. Ils sont magiques ces carpes. Très bonnes carpes ça. Oh bah les chèvres. Elle dit quoi? Donc ici, c'est la cage des singes. 1, 2, 3. Allez, on y va, les pisotés. Тя и той е нагоре на детската площадка. И ходихме да. И ходихме няколко пъти. Айде тя все пак успяваше там. Nous partons. Bye. C'est plus fort que moi. Bruh. Nous partons. Au revoir. À tout bientôt. Non, pas du tout. Au revoir. Bye.